c'est bête hein, ce que je veux dire, mais quelque part, j'ai toujours eu peur qu'il la tue. Enfin, je savais qu'il se passerait quelque chose. L'homme de 36 ans s'est suicidé en se jetant sous un train après avoir tué Laetitia Schmidt. En instance de divorce, c'est là qu'a eu lieu un meurtre. Lundi matin, un homme aurait tué son ex-compagne devant chez elle. Le suspect est en fuite depuis. Les recherches... Mais c'était sa chose, oui. Avec du recul, je me rends compte que c'était sa chose. Il voulait absolument tout contrôler. Le 22 avril dernier, le corps de Marie-Alice Dibon a été retrouvé ici, dans une valise, flottant sur l'Oise. C'est une véritable exécution. On sent l'absence totale d'hésitation. Il était déterminé, il voulait le faire, il l'a fait. Son agresseur lui porte plusieurs coups de couteau. Elle crie et tombe devant la porte. Plus d'une fois, je me suis dit, ça finira mal, il la flinguera. Il l'a jeté par-dessus le mur, là, comme un paquet, ouais. Derrière un homme qui tue sa femme, il y a l'échec de toute une société. Au journal Le Monde, une grande enquête a été menée pendant un an sur les féminicides. Un an à explorer une centaine de dossiers. De ce qu'est un féminicide. Décrire la mécanique, des mécanismes, ça pourrait être du début à la fin. Tu vois à quel point tout le territoire est couvert. On peut prendre une série de pays comme ça, on tue des femmes parce qu'elles sont femmes en France. C'est la pointe émergée d'un continuum qui nous englobe tous. Ça, il y a une résistance. Ouais, ce qu'on disait du coup avec Faustinière, mais c'est le premier papier que les gens vont lire. On est dans une démonstration éditorialisée, très forte, très engagée. Ces meurtres nous engagent tous. Nous, la famille, les amis, nous, les forces de l'ordre, nous, les travailleurs sociaux, nous, les magistrats. Nous, la société tout entière. Ils nous rappellent que nous ne sommes pas égaux. Le féminicide est l'étape ultime de la domination masculine, où l'auteur tue sa compagne quand elle veut le quitter. Compter ses victimes, c'est mettre au jour tout un système. En 2019, 150 hommes ont tué leur femme. Ce film raconte 5 histoires de meurtre, portées par le même schéma criminel et précédées des mêmes signaux. Nous devons apprendre à les détecter. Le féminicide n'est provoqué ni par l'amour, ni par la folie. C'est un crime de propriété. Le conjoint commence par exercer un contrôle sur sa compagne. Depuis le début, je le sentais mal. D'ailleurs, je l'ai confié à plusieurs de mes collègues en me disant je sens mal cette histoire. Après, peut-être que j'ai eu un pressentiment. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est le cas de Laetitia m'a peut-être plus touchée qu'un autre cas. On en a parlé avec ma femme et on s'est dit non, il n'ira pas jusque-là. De temps en temps, il y a le petit toi qui te dit méfie-toi. Ça peut aller loin, ça peut mal terminer. C'est une petite pensée que j'avais. Mais en même temps, voilà, c'était tout. C'était de temps en temps. Mais pour moi, c'était pas concevable. C'était pas possible. Dans le fond, l'histoire de Julien Griffon et de Laetitia Schmidt, c'est celle d'un garçon qui a la chance de rencontrer Laetitia Schmidt, qui à l'époque est décrite par tout le monde comme quelqu'un de très solaire, de très heureuse de vivre. Et en fait, il va consacrer 18 ans à faire en sorte de la garder et surtout de l'empêcher de partir. Quand un homme prend possession d'une femme jusqu'au plus profond de son intimité, l'entourage s'en aperçoit toujours. Quand on rentre chez soi et qu'on se fait déshabiller pour voir si personne vous a touché,
Enfin, je trouve ça un petit peu exagéré. Quand on regarde le sac, on fouille pour voir s'il n'y a rien dedans, ou quand on fouille le téléphone. Pour moi, c'est un contrôle permanent. Je sais qu'elle lui imprimait même. Elle avait dans son précédent emploi, en fait, elle était amenée des fois à être en réunion. Elle lui imprimait la preuve qu'il y avait ce jour-là une réunion à tel endroit, en fait. Elle a été prise pour un poste qui s'était libéré dans la société où je travaille, dans notre service. Tous les trajets, c'était au téléphone avec lui, en fait. Et elle devait raccrocher une fois dans le bureau. Et à ce moment-là, elle a posé son sac par terre. Et là, elle a fait « Oh non !» Je dis « Oh non quoi ?» J'ai oublié d'enlever mon vernis. Bah, je dis « C'est ridicule. Enfin, tu l'enlèves ce soir, c'est pas grave. » Et elle était en panique. Je lui ai ramené du dissolvant à midi pour qu'elle puisse enlever son vernis, en fait. Mais elle vous a dit quoi sur son vernis enfin... Elle a dit que c'est interdit. Je n'ai pas le droit de mettre de vernis à part quand il est avec moi. J'insistais pas, en fait, c'était tellement... Avoir son visage, en fait, quand elle faisait quelque chose qu'il ne fallait pas, entre guillemets. On n'avait pas envie de la secouer en disant « Mais t'es une idiote, t'arrêtes. » Je l'aidais, en fait. Je l'aidais pour que, justement, elle retrouve son sourire. Et une fois qu'elle avait posé son vernis, c'était bon, quoi. Il lui avait jeté tous ses anciens sous-vêtements et il lui en avait racheté d'autres. Des sous-vêtements, là, tout moches, tout couleur peau. Enfin, voilà. C'était... du col roulé jusqu'en bas aux chaussures, en fait. Il fallait que toutes les parties de son corps soient cachées. C'était sa manière à lui de garder une constante emprise sur elle. Le contrôle est le meilleur indicateur de risque de féminicide. C'est ce qu'ont démontré plusieurs études. L'agresseur s'immisce dans les choix élémentaires de sa compagne, son apparence, ses relations sociales, pour ne lui laisser plus aucun espace de liberté. L'étape suivante, ce sont les coups. Je sais qu'il y a une dispute qui a éclaté un soir à leur domicile, au point où la gendarmerie, je crois, est même intervenue. Et en fait, il avait tout cassé dans l'appartement parce que, je crois, c'était en lien avec un collègue. Elle discutait en fait avec son collègue et je crois que ça a explosé à cause de ça. Elle m'a raconté un événement qui m'a énormément marqué, c'est qu'ils étaient partis chercher du McDo pour toute la famille, en fait. Et il s'est énervé. Il l'a pris par les cheveux derrière, il lui a arraché les cheveux quand même. Faut le faire, enfin, on s'arrache un cheveu. On a mal, lui, il lui a arraché tous les cheveux derrière. Et il l'a pris contre lui pour l'étrangler. Ben moi, je l'ai vu le jour d'après, donc maquillée, cachée un peu. Mais bon, elle avait des bleus un peu sur tout le corps. Elle avait toute une touffe de cheveux arrachés. Il y avait le cuir chevelu à nu. À un moment donné, elle a essayé de sortir. Ben, il roulait en voiture sur une route toute droite. Et il l'étranglait. Elle avait les pieds dehors, en fait, la portière ouverte. Et elle a pris des coups, elle avait des hématomes partout, quoi. Dans 90% des féminicides, il y a des antécédents de violence, de contrôle ou de traque. Le 28 août 2017, il y a un événement déterminant. C'est que Laetitia va téléphoner à sa famille. Elle explique que Julien l'a frappée, qu'elle va mal et qu'il faut la conduire aux urgences. C'est la première fois qu'elle se confie, c'est la première fois qu'elle parle des coups à quelqu'un. À l'hôpital, elle va inventer une fiction qui est celle d'une agression dans la rue par un inconnu, même si personne n'y croit. Les médecins ne sont pas dupes et la lecture du rapport est assez éprouvante parce qu'on comprend que Julien Griffon s'est acharné et on se demande si en réalité il n'a pas tenté de la tuer. Ecchymose violacée, 4 cm de diamètre au coude droit, 4 cm de diamètre au pli du coude gauche, 3 cm de diamètre à la face interne du genou, 7 cm de diamètre à la face externe, 3 cm de diamètre du pôle gauche, visage, 6 cm de diamètre, 10 cm de long sur 7 cm de large à la région temporale, 10 cm de long sur toute la région mandibulaire gauche.
une collègue a alerté un chef de service lui disant « On a l'impression que c'est une femme battue ». On s'est dit « On va convoquer Laetitia et on verra si elle est prête à nous parler ». Et à la question « Mais comment allez-vous ? Il semblerait que vous ayez des problèmes de couple. » Mais non, qui vous a dit ça ? Elle était extrêmement sur la défensive, dans le déni complet. Elle veut même pas se déshabiller alors que, bon, il faisait chaud dans mon bureau. Elle garde sa doudoune. Vraiment, presque pressée d'en finir. « Mais que me voulez-vous ? Qu'est-ce que je peux faire ?» Et puis non, vous ne pouvez pas critiquer mon mari. Ça fait 18 ans que je suis mariée avec lui. Tout va bien. Après le premier entretien avec la DRH, Laetitia Schmitt disparaît à nouveau quelques semaines. Les arrêts maladie se multiplient. Donc on sent bien qu'elle continue de s'isoler. La DRH sent que la situation se dégrade et elle décide de la convoquer pour un deuxième entretien. Et c'est un entretien qui va être plus musclé. Et quand elle est arrivée, c'est vrai que j'y suis allée cash en lui disant « Laetitia, je sais que vous êtes une femme battue. Peut-être que finalement, vous êtes consciente que vous en avez plus pour longtemps vu votre état. » Parce qu'en un mois, elle avait dépéri, c'était une catastrophe. Elle avait le teint tout gris, des cernes jusqu'au milieu des joues. Elle était maigre, c'était une horreur. Et du coup, je suis allée sur sa corde sensible parce que je sais que Laetitia était très attachée à ses enfants en lui disant « Vous savez, Laetitia, la plupart du temps, une fois qu'ils ont fini avec la mère, ils frappent les enfants. » Et tout à la fin de l'entretien, elle me dit « Il faut que j'arrête, là, il faut que j'y aille parce qu'il m'attend dans la voiture. » Et là, avec ma collègue, on se regardait en disant « Mais qu'est-ce qu'on fait ? On va voir cet homme, ce bourreau, ce monstre. » Et ma collègue lui dit « Mais vous êtes sa prisonnière, vous n'êtes même pas libre de vos déplacements parce que Laetitia avait une voiture. » Et elle hausse les épaules, nous regarde, mais son regard parlait de lui-même en disant « Bah, sûrement. » J'ai appris par la suite qu'elle avait accepté de porter plainte. Elle dépose plainte pour des violences et des menaces de mort. Donc le lendemain de la plainte, j'ai pris l'audition de son fils qui me disait, et là je pense que n'importe qui, n'importe quel humain, qu'il soit gendarme ou qu'il soit... Voilà, il ne peut pas rester insensible par rapport à ses paroles d'enfant. Il me disait que tous les soirs, avant de se coucher, il essayait de toutes ses forces, de rester réveillé le plus longtemps possible pour empêcher que papa fasse du mal à maman. Après la plainte, Julien Griffon a l'interdiction formelle d'approcher Laetitia Schmitt. Il n'a plus le droit d'aller dans leur quartier, dans leur commune. Il perd l'autorité parentale. Elle a conscience que Julien Griffon est libre, qu'il est à l'extérieur et qu'il peut surgir n'importe quand. C'est comme savoir qu'un tueur à gages qui doit vous éliminer circule librement en ville. Elle est vraiment dans cette peur-là pendant plusieurs mois. Et du côté de Julien Griffon, c'est l'obsession. Il pense à Laetitia Schmitt, il parle de Laetitia Schmitt. Avant un féminicide, la future victime affronte une domination tellement puissante qu'elle ne parvient pas à s'en libérer seule. Quand la justice ou l'entourage n'arrive plus à faire contrepoids, elle retombe sous l'emprise de son agresseur. Un jour, je lui avais envoyé un texto et je lui dis, tu m'as pas répondu. Elle m'a dit non, j'étais au téléphone avec Julien. Comment ça, t'étais au téléphone avec Julien? C'est quoi cette blague? J'ai dit, t'as pas le droit de parler, t'as pas le droit de l'approcher, pourquoi t'es au téléphone avec lui? Oui, c'est pour le... C'est... Non, il me l'a demandé, ou je sais plus ce qu'elle m'a dit. J'ai dit, mais vous vous êtes dit quoi au téléphone? Ah ben rien, on a regardé le même film. Il veut juste m'entendre respirer. Donc j'ai dit, t'arrêtes, on se cirque de entendre respirer, là, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Enfin, jamais personne n'appelle l'autre pour l'entendre respirer devant le même film. Je suis même pas certaine jusque vraiment vers la fin qu'elle ait réalisé qu'elle était vraiment en fait cloisonnée chez elle ou cloisonnée à quelqu'un. Elle me dit, il me manque, je peux pas vivre sans lui. Et j'ai dit, sache une chose, c'est que je veux que tu me promettes que la prochaine fois que je te vois, c'est pas entre quatre planches.
Et elle me dit, mais non, pourquoi tu dis ça? Il va pas me faire de mal, il m'aime, il m'a même dit qu'il veut me faire un troisième bébé. Que je crois savoir, c'est que le divorce allait être prononcé le lendemain et qu'en même temps, c'était l'anniversaire de Laetitia et c'était l'anniversaire de mariage le lendemain, tout ça le même jour. Le 25 juin 2018, j'étais au bureau. Là, on entend à la radio qu'une dame se serait pris un coup de couteau. Donc là, très vite, l'adresse, 22 Cité, Les Houblons, je fais un coup sur Moder, ça me parle. Mais dans ma tête, je me dis non, c'est pas possible. J'essaye de faire abstraction et donc on arrive sur place. Il y a des voisins, beaucoup de voisins qui sont à l'extérieur. Ça crie pas du tout, hein. C'est au contraire, hein, c'est hyper, hyper calme. Donc là, je vois Laetitia sur le palier de sa porte. Elle avait perdu beaucoup de sang, donc quand je la reconnais, je vous cache pas que j'ai eu un choc énorme. Première question qui m'arrive, c'est Julien qui vous a fait ça. Donc là, elle me répond que oui. Que s'est-il passé lundi matin à Schweigus-sur-Moder? Un homme aurait tué son ex-compagne à l'arme blanche en pleine rue. Depuis, le forcené est en fuite. D'importantes opérations de recherche sont entreprises depuis 2 jours dans le Bas-Rhin par les gendarmes. Le 25 juin, Laetitia dépose ses enfants à l'école, puis rentre chez elle. Et au moment d'ouvrir, elle prend un premier coup de couteau. Et elle comprend très vite que c'est son mari, Julien Griffon, qui lui a donné ce coup de couteau. Il va s'acharner, il va lui donner une vingtaine, une trentaine, sans doute une quarantaine de coups de couteau. Julien s'en va, il prend sa voiture et il disparaît. Au bout de ces 3 jours de cavale, on retrouve un corps. C'est un homme d'une trentaine d'années qui s'est suicidé en se jetant sous un train. Et au bout de quelques heures, on découvre que c'est Julien Griffon. On va découvrir très vite que Julien Griffon a passé la nuit dans le débarras au fond de la cour, à quelques mètres de Laetitia Schmidt et de leurs enfants. On le sait parce que le téléphone a borné à cet endroit-là autour de minuit. Et on le sait aussi parce qu'on retrouve plein de mégots. Donc on imagine comme ça qu'il a passé la nuit sans dormir, à fumer, à enchaîner les cigarettes, en ressassant, en attendant que Laetitia dépose les enfants à l'école, revienne. Donc les pompiers arrivent, la prennent rapidement en charge, elle est installée dans le véhicule. Une fois qu'elle est installée dans le véhicule, je ne sais pas ce qui me prend, je dis aux pompiers, je vais lui parler encore 2 minutes. Je rentre dans le véhicule, elle est allongée, elle me dit, il faut mettre en sécurité mes enfants. Donc là, je lui dis, t'inquiète pas, j'y vais. Et là, avant de sortir du véhicule, elle m'attrape le bras et elle me dit, tu diras que je pense à mes enfants. Tout de suite, j'appelle ma hiérarchie pour dire voilà, il faut confiner les enfants dans les écoles. Et j'ai voulu le voir de mes yeux que les enfants étaient bien en sécurité, donc je suis allée dans les 2 écoles. Et donc je me souviens que je suis allée au collège. Son fils s'est confiné dans le bureau du principal. Et donc il me regarde comme ça et il me regarde et il me dit juste c'est papa. Donc j'ai pas pu lui dire non. C'est ma mère qui m'a prévenue. C'est sa cousine qui m'a appelée. Elle me demande où je suis, avec qui. Elle me dit, mais pourquoi elle me demande ça? Et quand j'ai vu le prénom, j'ai dit... ma collègue me dit, ça sonne. Non, je décroche pas, je lui ai dit. Pourquoi tu décroches pas ton téléphone? Parce que c'est la cousine de Laetitia. Et là, elle me dit, il faut que je te dise que Julien a tué Laetitia. Mais tu décroches pas quand c'est sa cousine? Non, parce que je sais ce qu'elle va me dire. Elle me dit, mais il faut que tu décroches. Non, j'ai pas envie de décrocher. Et là, c'est...
on réalise pas, en fait. On fait les choses parce qu'il faut les faire, parce qu'on les... Voilà, on descend le chien parce qu'il faut descendre le chien. On va se coucher parce qu'il faut bien dormir à un moment donné. On mange parce qu'il faut manger quelque chose, mais on n'est pas là. Enfin, moi, j'étais pas... J'arrivais pas à penser, c'était pas... Je le savais, je l'avais dit, je l'avais crié, et c'est arrivé. Face au contrôle qui s'abat sur elle, certaines femmes sollicitent la justice pour se protéger. Mais les autorités peuvent mal évaluer des situations critiques, comme si elles ne réalisaient pas que les victimes de violences sont en danger lorsqu'elles quittent leur conjoint. La justice, faites votre travail correctement. Et si vous continuez comme ça, ça va. Il y aura encore d'autres femmes qui vont mourir. Et voilà, ça va jamais s'arrêter. Donc voilà, à la justice, arrêtez ce massacre. Il y a plus de 130 femmes qui sont mortes en 2019. On va où là? Vas-y, continuez. Voilà, allez, on va tuer des femmes normales, allez, c'est pas grave. C'est la fête au village, c'est pas grave. On tue des femmes, on s'en fout, c'est pas grave. Ça me fout les boules, ça. Samedi, j'ai reçu un coup de téléphone du major qui m'a dit « On vient de découvrir un corps au bas du barrage. » Et c'est Madame Boucher de Bugnazet. Et je suis allé avec les gendarmes. Et on a vu Monsieur Dimec, donc Ludovic Dimec. Et le gendarme, le major, lui a dit qu'on avait retrouvé le corps de sa femme. Et là, il a paru choqué, il s'est même mis à trembler. On pouvait penser que le choc était violent et qu'il apprenait la mort de sa compagne. Je suis allé lui apprendre la mort de sa compagne alors que c'est lui qui l'avait tuée. Et ça, c'est dur à porter, quoi. C'est ma sœur Lucia qui m'a appelée. Et qui m'a dit que d'abord j'ai entendu qu'elle pleurait et j'ai dit quoi, mais qu'est-ce qu'il y a? Et elle m'a dit Alice, Sylvia elle est morte, ils l'ont retrouvée, elle est morte, elle est en bas, ils l'ont retrouvée au pied du barrage. Donc là, je me suis mise sur la terrasse là, parce que j'avais les enfants qui étaient dans la maison. Je voulais pas y croire. Mon mari n'était pas là. J'avais les voisins qui étaient en face. J'essayais de pas crier, mais je pouvais pas m'empêcher. On a
est en fin 2017 et à ce moment-là, Sylvia Bouchet découvre que Ludovic Dimec, avec qui elle a passé 18 ans de sa vie et avec qui elle a eu 3 enfants, est infidèle depuis des années. Elle décide de le quitter. Elle continue malgré tout de côtoyer Ludovic Dimec puisqu'ils sont tous les deux à la tête d'un élevage de rongeurs où ils sont associés. Donc malgré la séparation, ils continuent de se côtoyer tous les deux quotidiennement sur leur lieu de travail. Et à la garde de ses enfants en garde alternée. La séparation avec Ludovic Dimec, c'est vraiment pour elle une émancipation. Elle retrouve sa liberté, elle échappe à cet homme qui l'a rabaissé en permanence, qui l'insultait énormément. Donc elle, elle a encaissé pendant des années. Voilà, elle a décidé d'arrêter et de reprendre cette liberté-là. Là, elle avait vu qu'elle pouvait s'organiser toute seule et qu'elle y arrivait. Et donc, je retrouvais ma sœur, elle venait. Elle prenait le temps de s'arrêter sur le canapé, ouf, elle s'asseyait, oh qu'est-ce qu'on est bien sur, dans votre canapé et tout. je l'ai retrouvée, pas assez longtemps, mais je l'ai retrouvée comme avant, ouais. Elle venait boire le thé, ses gamins ils venaient à la maison, mais voilà, elle faisait plein de choses. Et donc, je pense que là, il a pété un câble. Il a dit comment ? Elle n'est plus avec moi, elle fait encore plus de choses qu'avant. Elle fait plein de trucs sans moi. Et que, là, je pense que. Là, il a chopé les boules. Épisode de violence important en juillet 2018, où c'est un vrai tournant, puisque Sylvia Bouchet vient au domicile où elle habitait auparavant avec Ludovic Dimec pour récupérer une piscine qui lui appartient. Et puis surgit Ludovic Dimec, qui est en furie et qui a une serpette à la main. Il pète un câble et il se met à lacérer la piscine, en hurlant, en la menaçant. Il y a les enfants qui crient, qui ont peur. Tu veux la piscine ? Tu veux la piscine ? Et je ne sais pas si elle lui avait dit qu'elle allait venir, mais il avait un couteau à la main. Et il lui a dit, regarde la piscine, ce que j'en fais. Et crac, et crac. La piscine en petits morceaux. Sylvia vous a raconté l'histoire de la serpette et de la piscine. Oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez me raconter? On a commencé à faire piller une barboque et je lui dis, Sylvia, tu peux me donner le couteau? Je vais couper les merguez et tout. Et elle va dans la cuisine, elle prend un couteau, un grand couteau comme ça. Et moi, j'étais vers la télé. Genre. Et elle me dit, elle arrive vers le couteau, elle me dit, Azine, tu veux que je te fais voir comment il m'a fait du dos? Mais je dis, ouais, si tu veux, ouais, vas-y, fais-moi voir. Elle prend le couteau, elle m'a poussé, elle met le couteau comme ça, mais vraiment à côté de ma vers ma gorge, hein. Je vais te crever, je vais t'éclater, je vais te crever. Oh, je dis, oh, mais ça va pas là. Je dis, oh, je l'ai poussé, j'ai dit, t'es malade. Elle m'a dit, Azine, il m'a fait ça. J'ai regardé, j'ai dit, quoi? Elle m'a dit, je te jure, il m'a fait ça. Et j'ai dit à Ludovic, hein, qu'est-ce que t'as fait avec le couteau là? J'ai dit, t'es malade. Mais non, Azine, j'ai pris juste le couteau, j'ai juste fait ça, j'ai éclaté de la piscine. Mais j'ai à aucun moment. Non, c'était juste des. Je dis non, parce que moi, elle me dit. Non, Azdine. Mais vu que c'est un bon parleur, et j'ai dit peut-être que Sylvia l'abuse, peut-être il a raison aussi. J'ai merdé aussi par rapport à ça. Ouais. Parce que j'aurais dû plus la défendre, la pauvre. Quand je vois cette petite femme, et je me dis putain. Donc là, je me mets à sa place. Hein. Je suppose qu'elle a eu super peur. Elle a décidé, donc après, de porter plainte. Mes enfants hurlaient, et j'ai pu voir la haine dans ses yeux. J'avais peur qu'il me donne un coup de serpette. J'ai pris la fuite avec mes enfants et nous nous sommes rendus immédiatement à la brigade de gendarmerie d'Issaint-Jean.
41% des victimes avaient signalé des violences aux forces de l'ordre. À l'issue de l'audition par les gendarmes, ils décident de ne pas lui donner de mesures de protection particulières. Alors qu'il faut savoir que 3 mois plus tôt, elle avait déjà porté plainte contre Ludovic Dimec parce qu'il avait détruit des objets à elle, notamment tout un salon de jardin à coups de masse. Ludovic Dimec, lui, va se voir proposer une composition pénale. C'est-à-dire qu'à la différence d'une comparution immédiate où il va y avoir un juge, ce sera très solennel, ce sera public, et où vont être désignés l'agresseur, la victime, etc. La composition pénale, c'est lui qui va se retrouver face à un délégué du procureur dans une petite pièce qui va lui expliquer que voilà, c'est pas bien ce qu'il a fait. Là, en l'occurrence, Ludovic Dimec doit verser 1 400 euros à sa compagne et effectuer un stage de responsabilisation qui permet de prévenir les violences conjugales. La composition pénale, c'est la justice, mais au rabais. C'est quand même relativement soft. Hein. On a l'impression que la justice dit, oui, on a donné une réponse. Hein. Composition pénale, attention, parce qu'il ne faut plus recommencer. Hein. Voilà. Bon, tiens les oreilles, mais c'est pas suffisant. Il est sûr que ça interroge, mais des querelles au sein d'un couple et des menaces de mort, même quand on a la certitude que les mots ont été prononcés, il y en a des quantités, et la plupart du temps, il ne se passe rien. C'est une réalité statistique. Et on passe effectivement notre vie professionnelle, policier, gendarme, magistrat, à mettre dans des cases. Ça, c'est très grave, c'est le tribunal. Ça, c'est très très grave, c'est la cour d'assises. Ça, c'est pas grave du tout, c'est le rappel à la loi. Ça, c'est moyennement grave. Et je pense que cette façon de travailler, qui est le seul moyen qu'on ait trouvé de traiter des milliers de procédures, 40 000 par an à Clermont-Ferrand à 10 magistrats, en moyenne, 4 000 par an et par magistrat, vous faites le compte, c'est d'essayer d'avoir des rubriques, des cases, et effectivement, peut-être que du coup, on n'est pas tout à fait assez attentif à un salon de jardin brisé, à de la vaisselle cassée, à des menaces de mort dont on va se dire « bon, c'est la première fois, elles ont été jetées en l'air », alors que c'est peut-être révélateur d'un futur passage à l'acte. Je crois que de s'être retrouvé tout de suite après en présence de celle qui est à l'origine de sa comparution, ça peut être quelque chose d'assez insoutenable, je pense, hein, à ce moment-là. Et cette rapidité nous montre que peut-être, là, on est dans le nœud du problème. J'allais presque dire que c'était la chronique d'une mort annoncée, là. Ludovic Dimec sort du tribunal, il est très énervé et il va se rendre sur l'élevage des rongeurs où il retrouve Sylvia qui est là et il y a une violente dispute qui éclate. Il lui met un coup de poing et elle tombe, elle s'assomme et elle perd connaissance. Et il se dit qu'il faut peut-être l'emmener à l'hôpital et en fait il va charger le corps dans son fourgon. Et au lieu de l'emmener à l'hôpital, il va aller sur le barrage où il va la précipiter dans le vide. Après avoir jeté Sylvia dans le vide, Ludovic Dimec va avoir un coup de fil en fait, de ses enfants qui attendaient leur mère à l'arrêt de bus et elle n'arrivait pas. Et donc ils ont dit « bah voilà, maman n'arrive pas, est-ce que tu peux venir nous chercher ?» Donc il est allé chercher ses enfants et il a décidé de faire comme si de rien n'était. Et là, la chute dans le barrage, il n'y a pas d'autre issue que la mort. C'est le point définitif et radical à sa colère, sans doute, et puis à sa volonté de l'éliminer. C'est comme si on lui avait tiré une balle de 9 mm dans la tête, quoi. Ce barrage, quand on se penche, c'est mais horrible. La paroi, l'immensité de la paroi qu'il y a. Moi, quand j'ai regardé ça, j'ai pensé à ma sœur et je me suis dit, mais elle a fait une chute de... Mais ça a l'air infini, quoi, ce mur. C'est comme ça, comme s'il avait tué son petit chien.
Il aurait peut-être été plus... Et encore, quelqu'un qui tue un chien, il pleure. Il l'a jeté par-dessus le mur, là, comme... comme un paquet, ouais. C'est vraiment pour faire d'elle juste une... Juste une chose, ouais, se débarrasser d'une chose, ouais. Le féminicide est souvent marqué par un déchaînement de violence. Ce n'est pas un simple accès de colère. Les victimes sont poignardées plusieurs dizaines de fois, brûlées, parfois vives, abattues à bout portant, noyées, précipitées dans le vide. En un mot, anéanties. Quand j'ai vu M. Dimek avec les gendarmes, j'ai pensé tout bêtement qu'il pouvait être innocent. Il s'est passé un mois entre le moment où Sylvia est décédée et le moment où il est passé, son ex-compagnon est passé aux aveux. Donc pendant un mois, tout était possible, même si on se rendait compte que tous les éléments l'accablaient. Le 8 décembre, il passe une audition cruciale où il va raconter finalement ce qui s'est réellement passé depuis la sortie du tribunal jusqu'au barrage. Je voulais la faire disparaître. Elle était inconsciente. Je ne l'ai pas vue morte. Question. Quelle était votre idée de la jeter du barrage? Vous êtes-vous rendu compte qu'elle allait donc mourir? Réponse. Oui, je me suis rendu compte. Et je pensais bien qu'elle n'allait pas survivre. Donc il va passer devant les gendarmes, il va reconnaître son implication, il va être mis en examen pour meurtre. Et il va se passer quelque chose que je ne cache pas. Vous parliez tout à l'heure d'expérience que je n'ai jamais vue. C'est-à-dire qu'il va passer devant un juge des libertés de la détention. Et ce juge des libertés de la détention va considérer qu'il peut être remis en liberté sous contrôle judiciaire. En tant que magistrat, depuis 30 ans que je fais ce métier, c'est effectivement une décision atypique. C'est clair, dans ce type de contentieux, 99 fois sur 100, pour ne pas dire 9999 fois sur 10 000, il y aura d'emblée, même malgré les dénégations, une décision de détention provisoire. C'est clair. On va traiter ce meurtre d'une mère de famille et d'une épouse, comme on traitera un banal cambriolage ou une conduite en état d'ivresse, au même niveau. Ce qui motive la décision du juge des libertés, c'est qu'il considère que ça fait déjà un mois qu'il y a eu le meurtre de Sylvia Bouchet, que Ludovic Dimec est toujours là, qu'il est obligé de nourrir ses animaux quotidiennement sur son élevage, donc a priori le risque de fuite est écarté. Vous pouvez bien rester chez vous, monsieur Dimec. Vous occupez de vos animaux. En France, on avoue qu'on a tué quelqu'un et on n'est pas tout de suite incarcéré. Et comment le juge des libertés et de la détention peut remettre cette personne en liberté ? Là, pour nous, ça a été incompréhensible. Ma secrétaire m'a dit que quelqu'un voulait me voir de façon urgente et il m'a dit « j'ai tué ma femme ». C'est la première fois que ça m'arrivait. Enfin, c'est la première fois que j'avais quelqu'un dans mon bureau qui venait m'expliquer qu'il a été mis en examen dans une affaire d'homicide et qu'il était libre. Donc je lui ai demandé de me réexpliquer. Plus, parce que je lui ai dit, attendez, monsieur, si on vous reproche ce que vous dites, c'est pas possible que vous soyez en liberté. Il l'était. Le procureur, qui est lui-même abasourdi par la décision du juge des libertés de la détention, va faire appel de cette décision. Et ça va prendre 10 jours pour que la justice examine cet appel et décide de placer effectivement Ludovic Dimec en détention.
Ça serait quoi pour vous le mobile des faits? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, Ludovic Dimec conteste avoir volontairement donné la mort à... Le mobile, il est revenu sur cette version. Sa version, c'est qu'il y a eu une altercation entre eux sur le barrage, que lui-même, comme il l'avait dit aussi un certain nombre de choses, lui a dit qu'il allait sauter, qu'ils se seraient empoignés l'un l'autre et qu'à ce moment-là, elle serait tombée. La justice est à l'image de la société. Elle peine encore à prendre la pleine mesure des féminicides. Sylvia, quand elle est née, on avait déjà deux filles. Le père aurait bien aimé que ce soit un garçon. Alors il a eu Alice, il a eu Myriam, et à la troisième, eh ben, il espérait. Et quand on lui a dit c'est une fille, il est... Eh bien, on aurait vraiment dit que cette petite Sylvia, elle avait entendu. Parce que, bon, vous voyez que, comme il est bavard, eh bien, il arrivait dans la maison, il disait un mot, elle tournait ses, toute petite bébé, elle tournait ses yeux vers lui. Et quand elle était un peu plus grande, qu'elle marchait toute, je disais, je vais au jardin. Oh, je vais aider papa, je vais aider papa. C'était ta fille, celle-là. Les forces de l'ordre ont un rôle majeur pour briser l'engrenage du féminicide. Si elles n'entendent pas les alertes des victimes, cela devient alors difficile d'arrêter l'agresseur. Comment on va leur expliquer tout ça? Parce qu'ils commencent déjà à se demander pourquoi sa maman n'est plus là. C'est... Mais elle demande. Ouais, elle dit qu'elle manque maman. Et vous leur dites quoi quand elle... Bah, dit elle... quoi? Bah, moi aussi, elle me manque. Et elle manque à tout le monde. J'ai dit qu'on était là et puis... Voilà. C'est vrai que quand t'entends des gendarmes qui te disent on est tous responsables, enfin, c'est d'abord eux. Parce que si... Mais s'ils avaient fait leur enquête avant, qu'ils ont interrogé les personnes qui ont déposé, c'est-à-dire les proches, les voisins, ça, ils se seraient peut-être aperçus qu'il était dangereux. J'ai l'impression qu'il est toujours passé à travers des mailles du filet, quoi. C'est vrai que les outils qu'ils ont maintenant, ça devrait aller très vite pour régler les problèmes. Mmh. Avant, ils avaient juste le papier, le crayon, le téléphone. Mais maintenant, ils ont ce qu'il faut, quoi. C'est vrai. Ah, ils sont peut-être comme moi, ils savent pas servir d'un ordinateur. On peut déjà pas s'appuyer sur eux. J'ai plus confiance en tout ça. J'avais déjà pas bien confiance avant. Mais... On entend souvent qu'on ne peut pas sauver une femme qui tait les agressions dont elle est victime. Mais quand ces femmes parlent, elles ne sont pas toujours crues par les gendarmes ou les policiers. J'ai eu un message sur mon téléphone, fais vite, d'Hélène,
Je lui réponds quoi ? Elle me dit, il va me tuer. Et après, plus rien. J'entends un message vocal d'un des enfants d'Ambre. Et il dit d'une manière très naturelle, comme s'il avait appris sa phrase par cœur. Tonton, je suis chez les voisins, maman et papa, ils sont capoutes, papa, il a mis le feu à la maison. Et je suis resté dénu, quoi. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il raconte ? J'ai appelé ma mère et c'est là qu'elle m'a dit, je suis devant la maison, je pense que ta sœur est morte. On n'en savait pas encore plus sur le moment, mais il savait déjà une idée des flammes qu'il y avait et elle savait qu'elle n'allait pas s'en sortir. Quoi. Ça sent... c'est presque irrespirable, c'est... Des curieux qui ont s'arrêté plus loin pour venir à pied regarder ce qui se passe, des journalistes qui arrivent tout de suite. Et quand j'ai vu la fumée, j'ai compris. Je suis arrivé avec les gendarmes. Bon, ils m'ont éjecté parce que je voulais rentrer dans la maison. J'ai dit, c'est pas maintenant, c'était avant qu'il fallait intervenir. Vous voyez le résultat maintenant ? J'ai dit, c'était de leur faute, c'était pour rien, qu'on avait porté plainte contre eux. Que... Voilà. J'avais la colère. Et puis je l'ai toujours. Ça ne m'a pas quitté. Dans le procès-verbal de constatation, on peut lire. Le corps d'Hélène Bizieux est découvert dans le garage aménagé en chambre parentale, tandis que celui de David Auduc est retrouvé dans la partie principale de la maison. David Auduc a volontairement donné la mort à son épouse Hélène Bizieux en lui portant plusieurs coups au moyen d'une arme blanche. Hélène Bizieux était déjà décédée au moment de la mise à feu de l'habitation. Hélène Bizieux et David Auduc se rencontrent en 2004. Ils travaillent tous les deux dans une même usine qui est située à La Ferté-Bernard, dans la Sarthe. Ils sont tous les deux ouvriers. Elle a exercé pas mal de boulot auparavant dans différentes boîtes de la région. Et lui, il vient de Rouen, où il a travaillé également ici et là. Voilà, il formule à ce moment-là le souhait de s'installer ensemble. Et très vite, les choses vont prendre une tournure inattendue. Il essaye très clairement de la rabaisser, de prendre le dessus sur elle. Petit à petit, on ne voulait même plus avoir de réunion de famille avec lui. C'était... Déjà, pour être en face de lui, il n'y a personne qui voulait se mettre en face de lui parce qu'il se centrait sur la personne et c'était ça. C'était ça. C'était toute la soirée. Alors... Si c'était elle qui discutait, il fallait qu'il lui coupe la parole. Si c'était l'inverse, par inadvertance, et ben c'était ferme-la, c'est moi qui cause. Voilà, c'était comme ça qu'il fonctionnait. Il y a eu une histoire à la salle des fêtes où moi, il s'en est pris à mon mari, hein, qui gérait la musique, une musique qui lui a pas plu. Donc, il commence à renverser son verre sur la sono. Il a été chercher le cri dans la voiture pour lui taper dessus, quoi. Et il s'en prenait à tout le monde. Il a même pris mon mari par le cou en lui disant... J'aurais dû te crever ou je vais te crever. Nous, il nous avait expliqué dans les débuts de leur relation qu'il avait tué quelqu'un sans le vouloir, en mettant des coups, en défendant sa mère qui était battue par cette personne. Et ça, on était persuadés, nous, depuis un moment, qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond là-dedans. Alors, tout bascule, en fait, le 13 avril 2018. Hélène rentre du travail
et elle constate un grand désordre dans la maison. Donc elle s'en prend à son mari, la discussion s'envenime très rapidement, et David lui assène un coup de pied dans la cuisse. Il a à ce moment-là des chaussures de sécurité, donc on peut supposer que ça lui fait vraiment mal. Et il demande à Hélène de partir en la menaçant de mort, tout simplement. Elle m'appelle en disant « m'a menacé ». Il est parti avec des armes, j'ai très peur. Et là, je lui ai dit « viens à la maison avec les enfants ». Le lendemain, elle décide pour la première fois de se prendre en main, en quelque sorte, et d'aller porter plainte à la gendarmerie de Connery. Il m'a attrapée et m'a mise à la porte en me portant un coup de pied à la cuisse, en me disant de ne plus rentrer à la maison. Je précise qu'il avait des chaussures de sécurité aux pieds. Question. Votre mari est-il connu de la justice? Réponse. Oui, pour des faits de violence. Je sais qu'il a fait quelque chose de grave quand il était plus jeune, car il a fait 8 ans de prison. À l'époque, je n'étais pas avec lui. Pourquoi ils ne font rien, malgré la déposition d'Hélène, qui est quand même... elle en dit peu, mais il y a une chose qui est très importante dans sa déposition, c'est quand même le temps de prison qu'il a fait, quoi. Ça devrait les inquiéter. Quand ma sœur a dit qu'il était dangereux, qu'il avait déjà fait il avait déjà tué quelqu'un, eh ben, ils ne l'ont pas vu sur le fichier, donc ils ne l'ont pas cru, tout simplement. Cette condamnation ne figure pas dans le fichier, ce qui s'appelle le fichier TAJ, le fichier du traitement des antécédents judiciaires. De fait, le gendarme ne va pas croire Hélène. Il ne va pas la croire parce que ce qu'elle lui a dit ne correspond pas à ce qu'il voit sur son ordinateur, tout simplement. Le fait est que cette affaire d'une barbarie totale a été suivie par les médias. Madame, monsieur, bonsoir. Mort horrible à Marom pour un homme de 35 ans qui a agonisé pendant 3 jours. Vers 22h30, un jeune membre de la famille se présente à l'appartement. Jean-Philippe Brière est violemment frappé avec une arme blanche ou un objet tranchant. Il succombe à ses blessures 3 jours plus tard, la veille de Noël. Le jeune homme, connu des services de la police, est sans domicile fixe. Ce jeune homme, c'est David Auduc. Il a 22 ans à l'époque, il vit à Rouen. Il va avoir un rôle décisif puisque c'est lui qui va tenir la hachette, qui va blesser très gravement l'homme en question, qui va agoniser pendant 3 jours et qui va finir par mourir. Le procès a lieu 3 ans plus tard à Rouen, à la cour d'assises. L'avocat général dira « David Auduc est un garçon intelligent, mais inquiétant. Il présente une extrême dangerosité. » Verdict, 11 ans de réclusion pour l'auteur des coups. Cette affaire ressemble à un loupé magistral, puisque comment peut-on imaginer que ces faits qui remontent aux années 1990, qui ont été jugés, aient pu échapper comme ça aux autorités, aussi simplement? C'est absolument ahurissant. Il faut se mettre à la place de la famille qui est allée à plusieurs reprises signaler la violence de David Auduc. Et ça, vous l'avez raconté à la gendarmerie? Ils savent tout ça, oui. Sauf qu'ils s'en foutent complètement. Qu'est-ce que vous avez dit à la gendarmerie de Connery? Ben, je lui ai dit qu'il avait déjà tué auparavant, qu'il était dangereux, que nous, chez nous, il a voulu il nous avait menacé de mettre le feu chez nous, de venir nous tuer. J'avais appelé les gendarmes. Moi, j'avais dit, mon fusil est chargé, je l'attends. Mais qui vient de pas dire qu'il ne savait pas? Il n'y a eu aucune enquête. On n'a pas interrogé les proches, on n'a pas interrogé les voisins, on n'a interrogé personne. Au regard de l'évaluation personnalisée de la victime, réalisée par nous gendarmes en résidence à Connery, aucune mesure particulière de protection ne nécessite d'être mise en œuvre. Dans les dossiers de féminicide, 30% des auteurs avaient déjà été condamnés pour des faits de violence. des plaintes ne sont jamais communiquées par les forces de l'ordre au procureur de la République. 80% des plaintes communiquées à la justice sont classées sans suite.
Quand les autorités n'ont pas réussi à empêcher le meurtre, la tristesse des familles laisse place à la défiance. Aujourd'hui, je sais que si je me fais arrêter, il risque d'y avoir conflit parce que j'aurai forcément cette chose-là en tête et je leur dirai qu'avant de m'embêter pour un test d'alcoolémie ou pour 5 km/h en trop, qu'ils fassent leur travail quand on a besoin d'eux, quand on leur demande. Voilà. Moi, j'ai vu ce que j'ai dit aux gendarmes, j'aurais dû le tuer, moi. J'aurais dû le tuer. Ma fille, elle serait toujours avec ses enfants. On a fait confiance à la justice. Quand on voit ce que ça amène, j'aurais eu l'occasion. Et moi, je suis pas un criminel. C'est très fort ce que vous dites, j'aurais dû le tuer, moi. Oui. Pourquoi est-ce que... Parce que si vous tuez quelqu'un, c'est 25 ans de prison direct, même si c'est quelqu'un... Mais ma fille, elle serait toujours là avec ses enfants. Bon. Oui. J'aurais peut-être été en prison, mais ma fille serait toujours là avec ses enfants. La gendarmerie nationale a répondu ceci. Concernant Hélène Bizieux, il est effectivement difficile pour la gendarmerie de s'exprimer sur ce cas, en dehors de tous les éléments que nous vous avons fait parvenir. En effet, notre prise de parole pourrait être interprétée comme une justification et non comme une analyse, ce que nous ne souhaitons pas. Une femme prisonnière d'une relation toxique peut être en danger de mort, même en l'absence de violence physique. Dans ces cas complexes, les proches ont du mal à percevoir la dangerosité de la situation. Marie-Alice, elle est morte au mois d'avril et elle était 51e. Quand j'étais à l'enterrement, j'étais devant la tombe et il y avait tout le monde autour de moi. J'étais en train de jeter mes pétales de rose et tout. J'ai pris une photo. J'ai pris la photo du cercueil de ma sœur dans son trou de terre, quoi. Marie-Alice voulait le quitter, il ne l'a pas supporté. Donc, il a décidé d'en finir avec elle. Et plutôt que quelqu'un joue avec son jouet, il a préféré le casser. Marie-Alice, après ses études, donc il y a plus d'une vingtaine d'années, elle est partie s'installer aux États-Unis, vivre une partie de l'année aux États-Unis. Et elle est décrite par tous ses proches comme quelqu'un qui a un caractère plutôt affirmé, qui est très sociable, mais qui ne se laisse pas faire. C'est hyper étrange, on arrive dans une maison où on sait qu'elle ne viendra plus jamais. Et on se rend compte qu'en fait, elle l'a quittée en pensant qu'elle allait revenir dans un mois, quoi. Vous trouvez ses petites chaussures de randonnée, ses chaussons, ses affaires sur son bureau. C'est comme quand on visite Pompéi. Les gens, ils ont été figés dans leur attitude de vie. Marie-Alice, c'était une scientifique émérite. Elle était très reconnue au consulat de San Francisco. Elle a fait beaucoup pour son industrie, le développement de son industrie dans la Silicon Valley. Découverte scientifique qui a un sens. Quelqu'un qui se pose des questions, qui veut toujours en savoir plus. Parce qu'elle nous donne une nouvelle lecture du monde qui nous entoure. Et vous allez voir que ces trois découvertes technologies, hein, on est vraiment à la frontière entre les deux, ont un effet extraordinaire sur nos esprits. Thank you.
Marie-Alice, elle a presque deux vies, une vie aux États-Unis et une vie en France. Et c'est lors d'un voyage en France au début des années 2000 en région parisienne qu'elle va rencontrer Luciano Merida. Luciano, c'est un homme d'origine italienne qui a une dizaine d'années de plus qu'elle. Et c'est une relation qui va connaître de multiples crises, mais ils vont quand même rester plus d'une quinzaine d'années ensemble. Il était chauffeur de taxi et Marie-Alice a pris son taxi. Il avait un bouquin sur son siège passager. Marie-Alice était quelqu'un qui aimait beaucoup lire, donc le fait qu'il puisse avoir ce centre d'intérêt commun, il a dû lui parler du bouquin qu'il était en train de lire, enfin j'imagine. Et à partir de là, bah, la rencontre s'est faite, ils ont gardé le contact, ils se sont revus, et puis, voilà. Et dans son métier de chauffeur de taxi, les chauffeurs de taxi classent affaires, et ça c'est très important pour lui. Il en est très fier, et quand il... Voilà, quand il parle de ce qu'il fait, c'est toujours pour dire qu'il a transporté un tel, que lui, c'est son copain, son pote, et que le, voilà, il a besoin de se faire mousser. Et Marie-Alice, elle lui apporte cette mousse, quelque chose de plus grand, plus beau, plus glamour, plus... Il vit un peu par procuration. Le féminicide est la dernière étape d'un rapport de prédation installé dès le début de la relation. Derrière le vernis romantique, l'agresseur détecte et exploite les failles de la victime, qui, elle, confond cela avec de l'amour. La relation abusive se déploie, insidieusement, sans parfois même que la victime ne s'en aperçoive. Elle était lucide pour les autres et naïve pour elle. Je l'ai vécu parce qu'elle m'a mis en garde dans une relation où elle a eu très peur pour moi. Elle m'a harcelée jusqu'à que je quitte cet homme et que je parte de chez lui. Elle m'a dit des choses. J'ai pas envie que ton nom apparaisse dans la liste des fémicides. Et c'est à elle que c'est arrivé. Elle m'avait d'ailleurs prêté un livre. Voilà, elle m'avait prêté. Il est toujours là. Elle m'avait dit, c'est Le harcèlement moral de Marie-France Irigoyenne. Elle m'avait dit, mais t'as pas lu ça? Mais il faut absolument que tu lises ça. Et maintenant, je me dis, pourquoi est-ce qu'elle lisait ça? Enfin, pourquoi est-ce qu'elle avait ce bouquin-là? Et je crois qu'elle était victime, et c'est le sous-titre du livre, de violences perverses. C'est très déstabilisant que Marie-Alice ait offert à son amie ce livre, parce que dans ce livre, Marie-France Irigoyenne, elle décrypte très bien les mécanismes qui construisent au fur et à mesure une relation toxique. Et c'est vrai que quand on nous explique ces mécanismes-là, on pense directement à Marie-Alice. Et du coup, on se pose cette question qui pour moi, n'a toujours pas de réponse, c'est comment Marie-Alice, avec tout son bagage culturel, avec toutes ses connaissances, comment elle a pu ne pas s'apercevoir qu'elle-même était dans ce type de relation-là. Dans ce livre, on peut lire: il est commun d'entendre dire que si une personne est devenue victime, c'est qu'elle y était prédisposée par sa faiblesse et ses manques. Au contraire, les victimes sont habituellement choisies pour ce qu'elles ont en plus et que l'agresseur cherche à s'approprier. Elle n'a d'intérêt pour le pervers que lorsqu'elle est utilisable et qu'elle accepte la séduction. Elle devient un objet de haine dès qu'elle se dérobe ou qu'elle n'a plus rien à donner. Luciano est raciste, réactionnaire, misogyne, macho. Et Marie l'excuse. Ouais, mais pourquoi tu l'excuses? Puisque tu t'engages politiquement pour que ces idées-là disparaissent. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Et puis avec le mec avec qui tu es, tu pardonnes tous ces trucs-là? Ça n'a pas de sens.
Nous sommes allés ensemble dans la maison d'un de mes amis, à Cognac, où nous avions prévu de passer des vacances. Après le troisième jour, elle est venue nous voir le soir et elle a dit « Nous partons à l'aube demain parce qu'il n'est pas heureux, il veut rentrer. » Je lui ai dit quelque chose du genre « Tu ne réagis pas en féministe, toi qui es pourtant une féministe franchement assumée. » Elle ne m'a pas répondu, elle a dit « Je veux rentrer avec lui. » À ce moment-là, j'ai pensé, il y a deux Marie-Alice et là, je ne sais pas à laquelle je m'adresse. L'une des deux est vraiment manipulée par lui. Marie-Alice avait écrit « MeToo » déjà 2 ans et rien ne change. Nous sommes le 1er mars et déjà 30 femmes assassinées par leurs compagnons. Voilà. Elle avait écrit ça sur ma page Facebook. Comment une femme peut-elle être publiquement féministe et dans sa vie intime subir une domination masculine grave? Cette ambivalence prend sa source dans ses failles, dans sa peur de ne pas être aimée, que l'agresseur utilise. On boit tranquillement notre petit café et puis je vois Marie-Alice qui perd complètement sa contenance et qui dit « Mais oh, j'ai oublié d'acheter du pain. » Et moi, je suis presque amusée. Quoi. Je dis bah, « c'est pas grave, Luciano peut en rapporter. »« Ah non, non, mais tu te rends pas compte parce que tu sais, il aime vraiment que je lui prépare. J'achète du pain frais, je coupe des tranches, je les mets au congélateur. Comme ça, le lendemain, il peut se faire ses petites tartines grillées. Et là, moi, je suis complètement estomaquée parce que je reconnais pas ma sœur. Nos parents, ils nous ont inculqué l'autonomie, l'importance de l'autonomie, de la liberté, de faire des études pour pouvoir être des femmes libres. Il augmentait sa présence. Il voulait, c'est moi qui t'emmène à Paris. Non, c'est moi qui t'emmène d'ici à là. Comme ça, il est toujours là, quoi. Hein. Comme ça, c'est moi qui te, en voiture, je t'emmène à ton rendez-vous prochain, etc. Donc ça lui augmentait la présence, le contrôle, d'une manière. Mais c'était pas quelque chose d'extrêmement visible, quoi. Mais je pense qu'à un moment, elle va se rendre compte que ce Luciano Merida, finalement, il n'est pas si exceptionnel que ça et que au contraire, c'est quelqu'un qui lui impose une relation qui ne lui permet pas de s'épanouir. Le jour de mon anniversaire, on avait organisé une fête à la maison et Marie-Alice était invitée. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Marie-Alice a dansé, elle était joyeuse, elle a bu. Et puis, tout d'un coup, il y a eu cet appel où elle a tout lâché. Elle est venue me voir et elle m'a dit « Luciano aimerait bien venir à la fête. » Et du moment où il a été là, elle était moins joyeuse, elle a moins dansé. Il détonnait complètement dans la fête, il est arrivé en costume de travail. Et puis ça, bah, je pourrais pas jamais l'oublier parce que c'est la dernière fois que je l'ai vu. Il est reparti avec elle. Elle est allée chercher ses affaires dans sa chambre, elle est repartie avec son baluchon et son boulet. Voilà. À chaque fois que Marie-Alice lui dit qu'elle veut le quitter, il va trouver des raisons pour conserver un lien à tout prix avec Marie-Alice en lui disant qu'il va très mal et donc qu'il a besoin qu'elle s'occupe de lui. Elle dit qu'elle a peur pour lui. Elle n'a jamais dit qu'elle avait peur de lui. Elle dit qu'elle a peur pour lui. Mais quelque part, ces expressions qu'elle peut avoir auprès de ses proches nous montrent qu'elle n'est pas tout à fait consciente que c'est lui peut-être qui tire les ficelles. Elle craque un peu en me disant « j'y arrive pas, c'est trop compliqué, tu comprends ?»
Il me dit que sans moi, il ne peut pas vivre. Si tu me quittes, je vais arrêter de manger, je vais me laisser mourir, je me suiciderai. Elle me dit, mais tu comprends, il est là, je l'ai dans mes bras, il pleure comme un bébé, je ne peux pas le laisser comme ça. Le chantage au suicide est un facteur de risque important de féminicide. Quand sous le coup de l'émotion, l'agresseur menace de se tuer, il est tout aussi capable de tuer l'autre. Le 22 avril dernier, le corps de Marie-Alice Dibon a été retrouvé ici, dans une valise, flottant sur l'Oise. La justice soupçonne son compagnon de l'avoir assassinée. J'ai demandé, mais vous l'avez trouvé où ? Et ils m'ont dit, on l'a trouvé dans le Val d'Oise. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on fait tous quand on a une bribe d'information ? On veut la formation complète. Et j'ai raccroché le téléphone et tout de suite, j'ai cherché corps trouvé Val d'Oise. Et je suis tombée sur cet affreux article du Parisien qui parlait du corps d'une femme retrouvée dans une valise flottant sur l'Oise. Elle était à moitié habillée, pour ne pas dire nue, jetée dans un sac, jetée dans l'eau. Enfin, je veux dire, comment on peut faire ça ? Même un chien qui meurt dans une maison, on l'enterre, on l'incinère, mais on ne le jette pas dans un sac, dans une vulgaire valise, et on le jette. Quelques jours après le meurtre, Simon Mérida, qui est le fils aîné de Luciano, va se rendre chez les policiers et au commissariat, il va dire « J'ai aidé mon père à faire disparaître le corps de Marie-Alice. » Mon père m'a dit de venir à la maison car il avait fait une connerie. Il m'a dit qu'il y avait eu une dispute. Il m'a dit qu'il lui a donné des somnifères, qu'il a mis ça dans son jus d'orange. Il m'a dit qu'elle s'est endormie très vite et qu'il l'avait étouffée avec sa main. Mon père me dit qu'il ne peut pas envisager de se rendre, faire de la prison, qu'il faut faire disparaître le corps. On est descendu sur la berge et on a fait rouler la valise jusque dans l'eau. On a suivi du regard la valise, elle flottait, elle dérivait. On pleurait, pas à chaudes larmes, mais on a pleuré. On est resté longtemps sur le quai à attendre. Des piétons et des voitures circulaient en nombre. Il faisait chaud et beau. C'était une femme de preuve scientifique et je pense que si moi j'avais eu une meilleure connaissance des statistiques, j'aurais été beaucoup plus persuasive dans le fait qu'il fallait pas qu'elle reste dans cet appartement si elle avait décidé de le quitter. Parce qu'aujourd'hui, je sais que les contextes de séparation, ce sont les contextes qui sont les plus courants pour. Les causes les plus courantes de féminicide. 3 féminicides sur 4 sont commis pendant ou après la séparation. Ça, c'est un truc de testostérone. Tu peux pas me faire ça à moi, je te fais ça en retour. Oh, oui, c'est ça l'idée. J'ai du mal à me mettre là-dedans, mais c'est ça. Hein. L'idée, c'est, attends, tu me fais ça, tu vas voir, moi, je te tue, moi. Je te donne la monnaie de ta pièce, quoi. Et qu'est-ce que vous ressentez quand vous apprenez que Luciano Mérida se suicide sur une autoroute italienne ? Lorsque j'ai appris que Mérida, père, était passé sous les roues d'un camion, j'ai pensé au camionneur. Je veux dire, l'homme qui, en faisant son travail, tue quelqu'un sur la route, lui, s'il n'a pas la conscience de qui est cette personne et de pourquoi cette personne s'est retrouvée sous ses roues,
C'est peut-être compliqué de continuer à faire son travail, c'est peut-être compliqué de continuer à s'endormir le soir et à se lever le matin. Lui, je ne l'ai pas retrouvé encore. Mais un jour, j'espère que je pourrai lui écrire. Je voudrais juste lui dire ce que l'homme qui est passé sous ses roues a fait. Dans un féminicide, il n'y a jamais qu'une seule victime. Il y a aussi ceux qui restent, qui doivent continuer à vivre, à grandir. Ma mère avait souhaité être enterrée en Arménie à côté de son père et de ses grands-parents. J'ai grandi à Nîmes, avec mon père et ma mère. Puis après, il y a eu mon petit frère. Nous nous sommes retrouvés orphelins car mon père a tué ma mère puis s'est suicidé. Les gendarmes nous ont expliqué que notre mère était morte. Et j'ai demandé directement où était mon père et ils ont dit qu'il était décédé aussi et qu'il s'était tiré une balle dans la tête. Et la seule chose que j'arrivais à sortir, c'était non. Je disais simplement non et je criais. C'était la seule chose que j'arrivais à faire ou dire. Je pleurais en criant et en disant non. Et mon frère pleurait en silence. Aujourd'hui, les deux enfants d'Anna... Milena et Luca sont retournés avec une partie de leur famille en Arménie. Et la fille d'Anna, Milena, qui a 15 ans, a décidé de témoigner dans ce documentaire pour faire vivre la mémoire de sa mère et pour que ça ne soit pas d'autre qui ait le monopole du récit sur sa mère. Elle veut avoir sa place et sa part dans ce récit-là. Ma maman, c'était une personne super douce. C'était une bonté. Je ne sais pas comment expliquer ça. Elle était vraiment gentille avec tout le monde. Dans toutes les personnes, elle voyait le bon. Même dans le mauvais, elle trouvait du bon. C'est pour ça qu'elle est restée avec mon père aussi longtemps, je pense. Le souci, c'est que mon père aimait aussi ma mère, mais pas d'une façon correcte. C'était pas de l'amour. C'était des moments d'amour, puis d'autres moments de haine et d'horribles choses. Arthur et Anna se rencontrent en Arménie. Il y a une grande différence d'âge entre les deux, puisque Anna a à peine une quinzaine d'années et lui, il a déjà autour de 30 ans. Et très rapidement, ils vont se mettre ensemble, former un couple. Et puis, ils vont décider de partir vers la France. C'est au moment où ils ont leur première fille, Milena, et le deuxième enfant, Luca, va naître sur le territoire français. Et donc ce couple et cette petite famille qui s'est formée s'installent dans le sud de la France, à Nîmes, dans un des quartiers sensibles de la ville. Quand il s'installe à Nîmes, Arthur a assez vite des petits boulots entre la délinquance et les choses légales. On sait pas vraiment très bien. Et assez vite, Anna s'inscrit dans un atelier d'insertion à la radio. Elle y voit un peu comme une porte de sortie. Elle parle pas très bien français. Anna, bonjour. Bonjour, Servin. Il y a pile un an, tu commençais ce chantier. C'était là, l'année dernière. Oui, c'était le 3 janvier 2011. Pour elle, c'est une façon de progresser en français, de rencontrer des nouvelles personnes, et puis aussi de découvrir un nouveau métier, celui de journaliste ou celui de reporter de terrain. Il réalise des petits sujets pour la radio. C'est un rue. Maintenant, je sais qu'il est un écrivain très connu. Ça fait très... Il y a trop de choses à découvrir. Et quel chemin quand même aujourd'hui, tu es à Radio France, tu parles à la radio. Ouais. Hein? C'est un beau chemin, oui, ça aussi. Même à la radio, c'est un ou deux ans avant, je n'avais pas imaginé qu'un jour je vais passer à la radio. Ouais. Mais merci à toute cette équipe. Et puis j'entends sa joie de vivre, c'est ça que j'entends.
Je la vois et je l'entends heureuse de faire ça. C'était sa bulle d'oxygène, en fait. Voilà. Et si on avait pu la garder dans cette bulle avec nous, on aurait aimé. Voilà, c'est ça. Je connais beaucoup de choses qu'avant je ne savais pas. Je ne savais même pas que les jeunes ils font des choses assez intéressantes comme ça. La seule chose qui m'avait frappée, c'est qu'elle me disait « Tu sais, mon mari n'aime pas quand je viens à la radio et mon mari n'aime pas quand je passe du temps avec toi, comme ça. Il n'aime pas. » Et je lui ai dit « Mais pourquoi ?» Et elle m'a dit « Parce que je suis heureuse. Je suis heureuse à ces moments-là et il n'aime pas. » Première interview que j'étais toute seule, c'est inoubliable, on peut le dire. Mais quand vous êtes venues ici en studio toutes les deux, c'était très beau. Hein, vous étiez des... Depuis que je connais Anna... c'est un prénom qui, pour moi, représente la douceur. Et ma fille s'appelle Anna. On s'est retrouvés sur la même session au chantier radio. On essayait de passer beaucoup de temps ensemble, mais c'était pas toujours très évident. Arthur, il m'aimait pas trop, je crois. Quand on avait une pause, on pouvait pas aller très loin. Je voulais juste qu'on aille manger toutes les deux. C'était jamais possible. Elle pouvait pas. Et quand j'allais lui dire bonjour, il voulait pas me dire bonjour. Il décidait de tout, en fait, pour elle. Hein. À part le fait qu'elle ait le droit de travailler, elle avait pas le droit de faire grand-chose. Quoi. Je sais vraiment pas comment le décrire. C'était sa chose, sa possession, en fait. Voilà, elle ne pouvait faire que ce que lui avait décidé, en fait. Il la frappe très régulièrement, il exerce sur elle un contrôle social total, il lui a déjà pris ses clés de voiture pour l'empêcher de sortir, il contrôle les gens qu'elle voit. Il y a vraiment un tournant cet été 2017, puisque elle raconte d'un coup toute son histoire. Il y a des assistantes sociaux, il y a des psychologues qui vont l'entendre. Et toutes ces personnes-là, on arrive très vite à la conclusion que Anna est en grave danger, que ses enfants sont en grave danger, et que la seule solution, c'est l'exfiltrer de chez elle. Et elle est placée dans un lieu dont l'adresse est tenue secrète pour ne pas que les pères ou maris violents puissent retrouver leur famille. Ils vont accueillir Anna et ses enfants qui vont redécouvrir tout simplement ce qu'est une vie normale, une vie saine, avec une petite cellule familiale qui se reforme. Elle était particulière, Anna, parce qu'en fait, vous auriez pas dit que c'était une femme victime de violence. C'est une femme très souriante, très avenante, et quand même, on accueille des femmes marquées. Et elle, c'est une femme qui avait une fraîcheur, qui avait gardé toute une fraîcheur. Anna, c'est une personne qui a un air très jeune. Des fois, les gens lui disaient, quand elle voyait, on voyait ses enfants, sa fille, on disait bah, qui est la mère, qui est la fille. Un jour, le couple qui est responsable du foyer lui dégote une petite voiture. C'est le signe de la liberté, le fait qu'elle puisse aller où elle veut, quand elle veut. C'était une fierté. C'était une fierté pour eux de voir que leur mère s'était débrouillée pour avoir cette voiture. C'était magnifique de voir cette famille quand ils ont reçu cette voiture, qui était une vieille voiture, mais qui marchait bien. Et la joie de tous les trois, là. Un de ses enfants avait dit « Oh, moi, quand je serai grand, je voudrais pas avoir une voiture prestigieuse. Je crois que finalement, j'aimerais avoir une voiture comme ça. » Dans le même temps, Arthur est livré à lui-même, est laissé à lui-même. Pendant qu'Anna se reconstruit avec ses enfants dans ce foyer, lui, il s'enfonce de son côté à lui. Et finalement, c'est un homme dont on voit la trajectoire aujourd'hui. On voit une trajectoire qui s'enfonce vers la dépression. Le 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, il y a une journée qui est organisée et Anna va être invitée à témoigner. Donc elle témoigne devant une assemblée d'élus, de notables de la région. Ça se passe au conseil départemental du Gard, dans une très belle pièce.
C'était une conférence de presse officielle, donc quand même un peu impressionnante pour ces femmes qui venaient témoigner. En plus, vu ce qu'elles ont traversé, ce sont toujours des femmes un peu fragiles et timides. Elle s'adressait aux autres femmes victimes de violences en leur disant « il faut se battre, il faut réagir, c'est possible, on peut s'en sortir, je l'ai vécu, j'ai connu ça, mais je vous dis qu'aujourd'hui ça va et on peut retrouver goût à la vie après. » Elle était sortie d'affaire, elle, c'était plus son problème. C'est vraiment de lui dont il aurait fallu s'occuper. Le 31 juillet 2018, c'est une journée de très forte canicule. Tous les acteurs dans le dossier témoignent qu'il faisait très chaud ce jour-là, que c'était étouffant. Anna prend le volant de sa petite voiture pour rentrer chez elle et elle passe par Saint-Christol-les-Alès. Y a une espèce de zone sans âme, un rond-point sans âme. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle s'arrête sur ce rond-point et il s'arrête juste derrière elle. Tout dans le rythme de cette scène de crime épouvantable, c'est une exécution. On arrive derrière une voiture, on la bloque sans agressivité, on sort de sa voiture, on sort son arme au niveau de la victime. On la pointe immédiatement contre sa tempe, pas à bout touchant, mais à quelques centimètres. On tire. Ce qui veut dire aussi une chose, c'est qu'on n'a pas vu charger son arme, c'est-à-dire actionner la culasse en arrière. Une cartouche était dans la chambre. C'est de la préméditation absolue. Et instantanément, tous les témoins l'ont vu, la main qui se tendait vers la victime, et ils ont immédiatement vu le mis en cause qui, sans hésiter une seconde, s'est tiré une balle dans la tête. Il était déterminé, il voulait le faire, il l'a fait. 40% des auteurs se suicident ou tentent de le faire après le meurtre. Moi, j'ai imaginé sa terreur. Je me suis dit qu'elle a vu sa mort en face. Je sais même à quoi elle a pensé à ce moment-là. Quand cet homme est arrivé avec cette arme braquée sur elle, elle a pensé à ses enfants tout de suite, en se disant qu'elle n'avait pas réussi à les protéger. Voilà, c'est ça qu'elle s'est dit. Il y a un côté très symbolique dans le fait qu'elle meurt au volant de cette petite voiture qui représentait pour elle et pour ses enfants l'émancipation, la nouvelle vie. Il y a un message qui est envoyé par le tueur qui lui dénie le droit à la liberté, qui lui dénie le droit d'exister en dehors de lui, d'avoir une existence propre à elle. Et c'est insupportable, cette histoire. C'est insupportable. Et comme je vous ai dit, moi, je ne peux plus passer à cet endroit, à Alès. C'est pas possible. C'est trop injuste et trop dur. Trop dur. Alors un message peut-être, parce qu'il y a une nouvelle équipe qui vient d'arriver. Quel est le message que toi tu pourrais leur passer? Le message, faut travailler. J'ai intégré bien. J'ai trouvé des amis. Je connais déjà bien ma ville. Je sais. Elle avait bénéficié de tout ce qui est possible. Et là, on se dit, si elle finit exécutée, parce que c'est le terme, par son ex-conjoint, on se sent démuni, on se dit mais il n'y a plus d'espoir de pouvoir agir. On s'est dit, il faut prendre les choses autrement, il faut réfléchir différemment, parce que là, on se trompe. Ma première réaction, c'est de me dire, je m'arrête, je ne fais plus ce travail. C'était vraiment ma première réaction. Et puis après, j'ai dit, mais au contraire, il faut continuer, quoi. Parce qu'il y a encore des avancées, il y a encore du travail à faire. La mort, dans ce qu'elle a, de ce qu'elle représente, le point final de non-retour ou d'horrible, elle n'aura pas le dernier mot. Au-delà de Anna, il y a ce qu'elle a semé. Au-delà de Anna, il y a ses enfants. Au-delà de Anna, il y a notre courage renouvelé.
au-delà de Anna, il y a les combats qui continuent. On lui dit merci. Il y a une forme de reconstruction des enfants. Ils sont retournés à leurs racines, ils sont retournés en Arménie. Donc pour eux, c'est leur façon de se reconnecter avec cette histoire-là. De reprendre aussi le fil de leur vie qui a été interrompu alors qu'ils étaient très jeunes. J'ai toujours protégé ma famille, mon petit frère et ma mère du danger, donc mon père. C'était compliqué pour moi parce que j'étais petite, mais j'ai tout fait pour que ma mère s'éloigne de mon père. Parce que je savais qu'elle allait retomber dans son jeu, dans son piège, et que ça allait recommencer encore et encore jusqu'à que un drame comme celui-ci arrive. Avec le recul, je pense que la chose a été très mal gérée. Très mal gérée par notre société, très mal gérée par les hauts placés de notre société. Je pense que pour mon père, on aurait pu faire une évaluation psychologique, de savoir dans quel état il était, d'où venait le problème, puisque c'était vraiment un danger public. Dans tous les féminicides, parce que je me suis intéressée au sujet, ce que je vois, c'est qu'on s'occupe beaucoup des victimes de violences conjugales, mais pas assez des auteurs, des bourreaux. Je pense qu'on devrait autant s'occuper des victimes que des acteurs de la chose, puisque si on s'occupe des victimes et qu'on les soigne, mais qu'après l'acteur recommence ce qu'il a fait, je pense que ça va pas marcher. Et au final, on se retrouve avec des cadavres. Attends, ouais, c'est quoi? Ouais, là. Quelle montagne? Ah, là-bas, là-haut? Ouais. Depuis toute petite, ma mère nous avait prévenu que ce genre de choses risquait d'arriver, qu'on risquait de la perdre ou de perdre mon père ou les deux. Et la chose la plus importante qu'elle nous avait dit à mon frère et à moi, c'était de rester ensemble, à deux, et de pas se séparer. So I'm sorry to my unknown lover, sorry that I can't believe. Depuis un an et demi maintenant, rester ensemble, c'est devenu notre devise. Où qu'on aille, quoi qu'on fasse, il faut toujours qu'on reste ensemble et tout ira bien. Oh. Ok. I missed your calls for months, it seems. Don't realize how mean I can be, 'cause I can sometimes treat the people that I love like you. Je t'ai dit. Il y a rappelé où la quête.